Welcome est un jeu de Roland White sur le thème de l'architecture américaine des années 50. Les joueurs incarnent des architectes qui tentent d'organiser au mieux leur quartier résidentiel. La première extension nous a menés au printemps et en temps de guerre. Nous voici maintenant au milieu des zombies et des cornets de glace. Les zombies attaquent le quartier. Il faut se protéger et s'armer de toute urgence. Dans ce nouveau plan, l'action agent immobilier permet de récupérer des munitions lorsque certaines cases sont cochées. Le géomètre offre la possibilité de construire une barricade au lieu d'une barrière. Les barricades se placent devant les maisons. Au début de la partie, une carte zombie est mélangée dans chaque tas. Lorsqu'elle est piochée, les zombies attaquent. Chaque groupe de zombies avance en ligne droite jusqu'à ce qu'ils tombent sur une entrée. Si l'entrée est barricadée, rien ne se passe. Sinon, un Z est inscrit sur la maison et deux barrières sont placées pour l'isoler du reste du quartier. Il est aussi possible d'utiliser une munition pour empêcher un groupe de zombies de se déplacer. Ah, l'été! Le soleil, les vacances et les petits boulots sous-payés. Il n'est plus seulement question de construire notre quartier, mais aussi de diriger le camion de glace pour optimiser au mieux son parcours. Lorsqu'un joueur inscrit un numéro sur une maison, il déplace le camion de glace de la rue en ligne droite jusqu'à elle. Si cette maison contient un cornet, il est entouré. Les glaces devant lesquelles le camion est passé sont barrées. Le premier joueur à amener son camion au bout d'une rue entoure le bonus correspondant. Les autres joueurs n'y ont plus accès, mais ils peuvent continuer de vendre des glaces dans la rue. À la fin de la partie, les joueurs calculent leur score rue par rue. Ils gagnent un point par boule de glace et y ajoutent un point par cornet s'ils ont entouré le bonus.